Pas de maladie, pas de la mort, mais cas grave, pas accent grave. Dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, là, car la presque écrite. Parce que, il y a un nègre qui est un ami, messieurs, dames, SDP, il fait qu'on est, il n'y a pas qu'à Kébé encore. Il est arrivé dans le tribunal là, il plaide coupable. Qui est-ce qui essaye? Eh bien, je dis à la, nous venons d'une émission sans filtre, sans retirer, sans mettre, sans voir mouter, nous prenons le bon, bon genre de détail avec précision. Next ça, nous avons sur l'écran là, nous comptons ça. C'est John, Joël, Joseph. Est-ce que c'est un nom ici? Mais c'est un ancien sénateur. Je dis à la, m'a pli, ça fait qu'on plaisir pour moi, pour m'a fait belle lecture. Oui, ancien sénateur John Joel Joseph, plaidé, coupable, jeudi mardi 10 octobre 2023. Il passe devant le tribunal fédéral dans Miami. Et puis, nous connaissons nos cité cité à fond dans le dossier assassinat. Il était même arrivé marron, il était trouvé en Jamaïque. Et puis tout. Interpol était là derrière tout ça. Ils ont arrêté, ils ont traversé avec dans le pays États-Unis. Oh oh, hey! Nous pas mandé me causer. Même Jean-Jean Moula te kon toujours dire, goudi arrêté là. Mes amis, si là qui kon pharmacie, allez dans pharmacie, achetez green qui bon pour diarrhée. Achetez comprimé. Achetez papier hygiénique parce que goudi arrêté là, nèg pas ka kembe. Oui, John Joel Joseph fait qu'on est li pa ka kembe encore. Li obligé. Li dit, il décide pour coopérer avec la justice. Imaginez-nous tout le temps dans prison là. Li va quand je passe l'évangile pour le condamner, pour piger peine ni. Eh bien, li fait un vol de face là. Oui, li fait vol de face là. Li avoué. Li avoué. Femme ou bien, ancien parlementaire avoué avec agent FBI, oui. Il dit oui. Il était rencontré avec nèg qui était dans planification pour te touiller. Jovenel Moïse, nèg qui était là pour te faire mission. Par la grave, oui. Bagay la grave. Et actuellement parlé là, quand pile nèg dans SDP qui pas de penser si John Joel Joseph ta arrivé là pour parler. Il pas de penser si John Joel Joseph t'a trahi yo. John Joseph li clairement déclaré, il dit lui-même, il pas en prison encore, il pas ka kembe encore. Il arrive plaider coupable et d'accord. Pour aider la justice, joindre tout le monde qui est impliqué à fond dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Carrière chaud couvert. Depuis après nouvelle ça, quoi me souvle André Michel, pas content. Quoi me souvle là, et Matéli, pas content. Nenel Kassi, pas content. Ricard Pierre, n'est-ce pas, pas content. Et m'a rappelé, le Jovenel Moïse mourit. Dans l'émission Jean Mona, je crois que c'est ramassé. Je ne sais pas qui est le pour fêter la mort de Jovenel Moïse, il a invité André Michel, tout le SDP, pour venir parler. Oui, pour venir parler. Je me suis détendu. Je me suis cité non. En ce moment, John Joel Joseph. Non, c'est ça. Gen moun ki t'ap di oh oui, konnen moun sou rezo yo. Y ap di oh oui, c'est persécution politique. Oh oui, et John Joel Joseph pa gen rien à wè. Non, c'est ça. Jusqu'à ce que John Joel Joseph arrive marron, li kite peyi a. Il vin arrêter l. Tandis que John Joel Joseph arrive dans un tribunal de Miami, au tribunal fédéral. Lui plaider coupable
est d'accord pour aider la justice américaine joindre tout le monde qui gagne mais trempé dans assassinat président Jovenel Moïse là. Mes amis, pas la grave, pas la empiré. Ne moi parler là ancien président Parrain Jovenel Moïse pas content. Est-ce que Jovenel Moïse a besoin de justice? On a dit Jovenel Moïse sous bonne pente dossier, il sous bonne pente. Quand on a été relé Matéli pour venir tendre là dans le tribunal là. Il va parler de Matéli comme ça non. Et John Joseph là qui vient parler, il dit lui ah oui. Il était rencontré avec mon qui était là faire mission pour assassiner Jovenel Moïse là. Elle d'accord pour le bail. L'autre monde qui était en dossier ça, gien pile moun là dans jou ka vini en quartier de prendre tête yo, gien pile moun là dans jou ka vini en quartier de faire arrêt cardiaque parce que pas gon stress, diarrhée pour finir avec yo. Mes amis, hey, pour aller gon courir, pour aller gon courir dans pays ça, pour aller gon courir. Pays a chaud. Li chaud. L'homme dit nous Jovenel Moïse a besoin de justice parce que menti. Oui. Mais l'homme garde les nègres arabes là moi-même. C'est moi c'est celle misé qui était avec Foucault qui a parlé là de Jovenel Moïse. Nous gagne Roberto tout qui a parlé de Jovenel Moïse. Nous m'a demandé est-ce que Jovenel Moïse pas un fanatique? Pour que ça c'est deux trois monde qui a parlé de Jovenel Moïse. Quand pile monde qui était voté Jovenel Moïse yo. Côté yo, ça semble pas un Jovenel sans quoi. Côté fanatique Jovenel Moïse yo. L'illéalité pour mettre pied nous à terre pour nous chauffer. Moi, je suis un arabe là. Si je suis un arabe là, je suis un arabe. Parce que les arabes là, ils ont décidé chaque côté le passé pour parler de Jovenel Moïse. Les arabes là, nous avons remarqué une vidéo sur les réseaux. Côté la visite tout travail, Jovenel Moïse a commencé, qui n'est pas fini. Oui, il est venu dans le barrage Marion, il est venu dans le centre côté. Qui dans l'usine qui qu'on fabrique asphalte l'arrivé côté Jovenel Moïse t'a fait un espace pour te faire plan de façon pour planter bagaille qu'on commence à pousser pour aller planter au côté a dit t'as un plan mais on va se faire plantation nous ouais c'est un arabe qui a fait ça et m'a dit un arabe là faut être très prudent parce que on moun ka ple de réveiller dossier Jovenel Moïse là faut le prudent ou on pèse sou mot réveiller parce que nous connaît gen pile nèg la qui utilise gros l'argent pour enterrer dossier Jovenel Moïse là mais nèg arabe là lui-même à travers zanmi li gen dans la presse li toujours a parler de Jovenel Moïse chaque côté le passé ou te manqué tout yel quand était pas un gros coup de troche dans dos mais malgré ça il pas campé parce que lui-même lui dit c'est Jovenel Moïse. Jovenel Moïse c'est ami on est te remet. On est qui fait bien pour lui. Il a assassiné Jovenel Moïse et nous lui fait nous comprendre pour qui ça. Il a tué Jovenel Moïse. Et négable pas jamais pas cité non Ariel Henry, non Matéli, non Dimitri Vob, Boulos, c'est non ça yo li habité cité comme moun qui touye Jovenel Moïse. Mais maintenant de monsieur Negarabla, faut le très prudent. Yon moun kap réveye dossier Jovenel Moïse là. On est en cours. Ou pa gen agent sécurité avou. Ou pa gen machine blindée. Mais mon jé pa bal ou pa gen. M'pa même quoi ou gen diab avou. Faut très prudent la ria. Et m'kwe que son vieux bois moto gen. Faut très prudent. Parce que bataille ou entrer là pour réveiller marche dans média parler de Jovenel Moïse comme ça faut que prudent d'accord faut que Jovenel Moïse justice li mais ou même il a gonna bataille pour contre le la gonna non bataille pour contre ou par contre qu'est-ce qui a you saison pour laquelle m'a dit pas bien dans mes monde ou pas connait pas manger dans mes monde ou pas connait. Et puis tout, pas faire trop de confiance. C'est les gens qui sont entourage. C'est les gens qui ont pris pour amour. C'est même eux-mêmes qui prennent tout. Ennemi, l'ennemi c'est formal. Ce n'est pas un proche, pas un bon amour qui peut passer pour qu'il élimine.
si vous avez menti, allemand de Jimmy Danger, il répond nous. Malé, rendez-vous dans nos prochaines émissions pour nous garder l'autre dossier pas oublié. Channel ça, c'est Production 69. Nous demandons pour abonner, like, peser sur la notification, retirer sur personnalisé, mettre sur tout pour l'aider dans la vidéo pour ne pas rater. Rendez-vous dans nos prochaines émissions pour venir traiter un autre dossier. Ça va déclencher sacré la guerre de 6 jours là. Pays sa yo, yo comprennent que yo gen support Moscou. Yal fait erreur, yo envahi territoire israélien. Mais le sa Israël te que des généraux que jusqu'à présent les a parlé de yo dans pays arabe prophète Timoun peur dans pays arabe. Yo dou talè yo rele Moshe Dayan pou. Tellement son nèg arabe te peur. Plusieurs pays arabes attaquent Israël le 5 juin 67. Moshe Dayan, Israël Rabin, nèg yo pral déborder sou pays sa yo. Yo pral montrer yo que affaire Israël là, c'est pour jouet lié et nèg yo pral détruit même joie la même heure. Tout avion militaire, pays l'Égypte, pays la Syrie, pays Jordanie, n'est-ce pas bombarder la raffinerie pétrole qui gagne le canal de Suez, n'est-ce pas marcher sous Golan, n'est-ce pas fond monde, pack en pack, parce que n'est-ce pas que affaire Israël là, pas de blague là-dedans. Et puis depuis lors, toute région Sinaï est passée sous contrôle israélien. La Cisjordanie, la bande de Gaza, le Golan, la péninsule du Sinaï, toute zone ça a passé sous contrôle l'armée israélienne et la Palestine qui était 1 200 000 Arabes là-dedans, Israël prend contrôle lui et puis il dit désormais à faire la Palestine, n'a pas mon parler de ça, son territoire qui m'occupe, m'a dicté roi, m'a dicté tout ça me veut là-dedans. Quête. Le monde paniqué. Le monde a pris des têtes, l'anti-salier. Israël qui a pris un bonhomme, il a gagné l'armée, il a acheté des âmes, il a fait de soutien. Ça m'a cabré les communautés juives aux États-Unis, quand il a Manhattan, qui a dressé l'opinion publique contre Arabio. Et le ça, M. Arabio, il a rendu compte que il n'y a pas de soutien à Moscou, j'ai été compris. Et c'est ainsi que il a changé de stratégie. Le 4 février, le 1 mars 69, Negro Pral créé Front Populaire Libération de la Palestine, qui Pral tourné Organisation Libération de la Palestine, 4 février 69, avec Yasser Arafat. De 70 à 74, le monde Pral assister à sacrer l'ère du terrorisme palestinien. Negro Pral détourné avion. Il va mettre bombe dans l'avion, il va mettre bombe dans le train, n'est-ce pas débarquer dans l'aéroport à Paris, il va fusiller les gens qui sont en Israël, n'est-ce pas débarquer dans l'aéroport l'autre, il va fusiller les gens, n'est-ce pas faire un paquet de bagages, etc. Et, une bagaille que le monde entier va retenir souffler, c'est que le 5 septembre 72, 11 athlètes israéliens ont tué alors que ils étaient à l'Jeux Olympiques Munich. Son commando palestinien qui est entré là, qui massacre les gens, et puis dit tu mais qui s'est passé. À partir de ce moment-là, le monde entier va venir découvrir un mouvement terroriste qui est le Septembre Noir, qui va terroriser Israël et qui va terroriser une bonne capitale européenne sous prétexte que il y a bail pays Israël soutient. Bon, monsieur God, Jean-Louis Honorable. Wapouti, Radio Mega, Go Radio A, li fè neve. Du Mega, c'est plus gros réseau radio haïtien qui est sous la terre. C'est gros bout de tonton radio A. C'est premier rendez-vous nous pour ce maintenant. Radio Mega. Mes camarades de la vie, c'est regardé avant. Faut comprendre conflit ça, Israélo-Palestine, qui justement a bataille. Une bataille qui déclenche. Mais habitué bataille déjà. Hein? Mais camarades de la vie, c'est faut comprendre des réalités là. C'est capitule. On va continuer, mettre. Et si vous 6 octobre année ça, ou est Hamas là,
capable de faire une invasion comme ça sur le territoire israélien. C'est parce que 6 octobre 73, avant Herzog fait 50 ans, depuis que Anwar El Sadat, président égyptien, t'es négocié avec 7 pays arabes pour te dire yon a pigou fête ou bien pigou fête qui gagne dans l'État Israël, là, c'est le Yom Kippour, le 6 octobre. Pendant que Israël a fêté, pendant que Israël a la prière, n'a profité pour nous envahir, n'a profité pour nous faire juifio reprendre la main. Anwar El Sadat négocié en battant avec 7 pays arabes. Et jour date fait ça, il pral envahi territoire Israël. Et c'est ça que fait guerre ça envahit Israël. L'armée égyptienne, l'armée jordanienne, l'armée syrienne et OLP, Gaza Libération Palestine, Libye, tout Liban envahit Israël. Le seul garçon qui gagne un de gouvernement Israël là, pour prendre son mot que le premier ministre époque là te dit, c'est ministre défense qui ton femme qui est le Golda Meir. Il réunit le cabinet de défense et de sécurité à en urgence. Monsieur dit, il y a une solution. Golda Meir m'a dit, qui solution? Il dit, moi j'ai une solution, bonne chance moi pour me défendre pays, pour me défendre Israël. 18 000 hommes sous plateau Golan. Gen lot neg Isaac Rabin qui était ministre de défense parachute tête li avec un bon lot neg Bokanal là. Neg yo pral sèkle l'armée égyptienne, l'armée syrienne, l'armée libanaise. Neg yo pral krasé non seulement à tout aéroport pays sa yo pour empêcher que ravitaillement fait. Mais pays sa yo qui attaqué Israël là après 6 jours. Les gens ne prennent pas compte que pas de moyens pour résister en bas à ce gouvernement et l'armée Israël. Les gens ne prennent pas obligé de rendre tête et le gouvernement américain prend courir les amoureux sous pression juif dans le Manhattan. Le gouvernement américain prend publiquement déclarer que les supporters de l'État d'Israël sont mon attaqué Israël, c'est lui attaqué. Et ça fait que guerre de Kippour après elle finit avec une victoire israélienne qui a été méritée parce que défendent tête très sérieusement. Mais l'opinion publique arabe va le démoraliser lorsque les Américains ont dit qu'ils ont soutenu Israël dans tout ça. Marcel, dis-moi pour moi de vous lire qui c'est que la cause qu'on s'est passé en Israël sans le pas au courant parce qu'il considère, que Israël a un pigou service intelligence dans le monde là. Des juifs qui t'a passé misère aussi capable de venir en Israël. Mais il y a une bagaille qui peut montrer le monde entier que Israël est devenu un État sur qui on peut compter, un État fort. C'est lorsque il y a détourné un avion chargé, touristes israéliens là-dedans, et puis terroristes mènent un avion à NTB en Ouganda. Côté que Mossad israélien peut planifier yon opération qui est le raid sur Entebbe que peut-être certains moun wè dans film côté que nèg yo pral débarquer yo pral tuer terroristes yo pral libérer otage. Mais pour comprendre dès ça qui gagne jodi a m'oblige parler de quatre bagages. On vient parler de premièrement lorsque l'État d'Israël fait a commencer organiser tête pour assurer défense territoriale. Égyptiens, Syriens, les Libanais, les Jordaniens, toute équipe ça qui était là. Yo pral créer un bon groupe de commando franc-tireur palestinien qui parle reconnaître l'État d'Israël et qui dit même il a proposé par les âmes à toute création d'État d'Israël. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de financement. Il y a un ensemble de pays, tant que l'Égypte, tant que la Jordanie, tant que la Syrie, qui prennent des têtes, des fédaïnes. Ça veut dire
moun ki prêt pour sacrifier tête yo pour cause. Fedayin ça pas un pile problème. Israël va l'obliger monter des commandos spécial de temps en temps l'al sous frontière, li fait des incursions dans des pays arabes qui prêt côté que commando ça va entraîner, côté commando ça chita à veiller pour faire des incursions en Israël et puis Israël pral marcher sur eux, li pral craser yo. Et c'est ça que fait au pral voir que l'Israël commencer détruire Fedayin yo. Nèg yo pral rentrer dans logique une organisation militaire beaucoup plus importante. Et c'est ainsi que l'autorité palestinienne avec Yasser Arafat pral former Hamas là. Hamas a pral un groupement politique là-dedans qui pral négocier l'international là, reconnaissance état la Palestine. Li pral gon branche armée tout qui pour essayer assurer gestion sécurité territoire et en même temps défendre ni contre des abus que Israéliens a fait sur territoire palestinien. Une bagaille que l'humanité a retenu, c'est que Yasser Arafat pral débarquer dans tribune Nations Unies et monsieur pral fait tout monde saisi. Là monsieur arrivé dans tribune Nations Unies, monsieur gon revolver bon côté, monsieur gon rameau d'olivier la main. Monsieur dit moi-même viens là. Je viens là avec fusil, un guerrier prêt pour défendre le territoire. Même viens avec un rameau de paix tout pour me dire, je barre. Pas quitter le rameau de paix à tomber le même, mais si le rameau de paix à tomber le même, laisse ça, m'a montré sauvagerie. M'a montré ça, je suis capable de faire. Mais c'était peut-être quoi que l'ensemble de bagaille. Hamas là, pral vin organiser tête li. Et l'État d'Israël, pendant un certain temps, prend contrôle à Masra, la main Yasser Arafat. Pour qui ça? Parce que vingon mouvement extrémiste que Ayatollah yo pral monter que le Hezbollah, que yo même yo 400 fois plus sauvage, yo 400 fois prêt pour mourir pour cause. Yo pas vle temps de parler à faire de juif avec l'État d'Israël là du tout. Et comme Israël pral retrouver l'on situation côté que li décide bay tête li arme atomique, arme nucléaire, donc le ça pays arabe pral senti que en danger par rapport à l'État d'Israël. Et puis nèg pral dit tête yo faut organiser yo pour yo gen des mouvements armés qui pour déranger l'État d'Israël dans la vie quotidienne ni, en attendant que vous ayez une occasion pour foncer sur Israël puis vous remettre les juifs dans la mer. En plus, les négociations sont faites. Carter pral fait sacré le camp de vide. Côté que vous pral fait juif avec Arabie Chita puis vous essayez de faire la paix. Il y a des gens qui disent que c'est une malédiction divine qui fait que la Palestine avec Israël refuse d'entendre. Mais, mettez bien en tête tout, auditeur, auditrice. Dans la situation, comme côté que Israël connaît que le Seigneur de part et d'autre par des pays arabes qui bavent le well, lorsque nèg yo pas décidé véritablement font minimum de bagaille pour tolérer l'État d'Israël. Et comme l'État d'Israël occupait la Palestine, il dit son est sous protectorat lié aujourd'hui, puisque il y a plus que 2 millions de Palestiniens qui enclavés et sous autorité Israël tout autour de eux, même nèg mettait des kibboutz, nèg gagne les armes, nèg gagne l'armée quand c'est clair, et puis nèg mettait justement l'autorité palestinienne sous contrôle yo pour assurer le territoire. Et yon bagay que Israël fait qui est extrêmement important, gestion sacré l'élément vitaux pour permettre que peuple palestinien vive, à savoir de l'eau, à savoir courant, l'indi courant, l'électricité, à savoir structure transport. Israël Kembel, c'est le qui contrôle. C'est-à-dire, là, Israël veut le blackout dans toute zone Gaza, dans toute zone Palestine, non? L'élevé, les fermer de l'eau, et là, à ce moment-là, les mettre les peuples palestiniens à genoux, les faire palestiniens comprendre que c'est eux-mêmes, autorité la caillou responsable, que Israël a puni aujourd'hui. Mais, ça qui a passé là,
fan te prévoile depuis le Israël décrété que Jérusalem c'est nouvelle capitale. A dit négo pas respecté accord que Nations Unies te fait pour faire de Jérusalem une ville internationale. Négo désormais que Jérusalem c'est la capitale d'Israël. À partir de ce moment, gon quartier arabe, gon zone arabe, gon zone juive, gon zone neutre. N'est pas de problème ça, contrôler tout bas là-dedans. Trump comme extrême droite qui a flatté juif américain, il a accepté que Jérusalem c'est capitale Israël et gouvernement américain déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, même si on paquet d'autres qui est après le fait pour suivre américain pour faire plaisir à lobby juif qui a mis des copes de yo. Capé de conseil de monde, capé de data de fondation ensemble de bagages pour avancer. Mais en tout temps, ce qui arrive, c'est que Arabie eux même tout, il y a pris un coup. Mais à regarder ça, comme ça, pas croiser bras. Des pays coup la Syrie, des pays coup l'Iran, des pays coup l'Irak, des pays, comme tu as dit, arabes côté que fanatisme religieux, tel que la Jordanie, enragé, ou bien Qatar, les gars supporté le mouvement de déstabilisation de l'État d'Israël là. Négoabgou mais pour faire la Palestine vienne indépendant. Nous rendons compte 1948 à 1973, c'était les Juifs qui tapent Gourmet pour un État. L'État de la Palestine t'a pris reconnaître. À partir de 1973, la guerre de Kippour, Israël va occuper partie Palestine. Non? Donc là c'est la Palestine qui a demandé pour t'en prie faire en sorte que deux États. Parce que pour le gouvernement israélien, il y a l'État d'Israël avec une province qui est la Palestine, qui sous contrôle, côté que des Palestiniens, ils considèrent comme des Arabes juifs pour circuler, pour aller travailler, pour tout le bagaille. C'est négo qui décide de qui vient à vivre, de comment l'école a fait, qui programme santé ou autre, etc. Donc, l'arrivée dans ça là, on peut aller nous compte pendant ces 20 dernières années, l'État d'Israël est un État très fort. Il est très fort parce que l'armée la Cali très fort, très soudé. Il est très fort parce que il y a un meilleur service d'intelligence dans le monde qui est le Mossad. Il est très fort parce que il jouait avec contradiction qui gagne dans le milieu arabe. Côté que les chiites, les sunnites, un ensemble de tribus, une pas entendu avec l'autre. Et là, pour maintenant, ma fin émission pour expliquer peut-être problème pays arabe avec différents composantes sociales que on a, différentes composantes ethniques que on a, qui fait que différentes composantes au niveau religieux parce que foi est différent, chaque monde quoi l'on bagarre bien déterminé, qui crée faiblesse parce que Israël va profiter de ça pour infiltrer des espions sunnites contre les chiites, des chiites contre les sunnites, ainsi de suite, qui vous permettent que l'on paquette formation là même pour avancer. Tout à l'heure, on m'a laissé dire que ma séance pose une question, il dit pourquoi ça s'arrive aujourd'hui à comme ça. Israël a un gros service d'intelligence. Israël a un meilleur service d'intelligence dans le monde. Et ça qui arrive à Israël là, je dis, l'homme qui a commencé l'émission, je dis, ah, c'est ça. C'est pour nous comprendre, analyser ce qui a passé en Israël là, pour nous comprendre ce qui a passé là. Il y a plus de 5 ans, depuis qu'en Israël, parti conservateur, qui est l'extrême droite, n'est-ce pas regardé la mea, n'est-ce pas regardé le service d'intelligence, tant que nous sommes pas équipés presque pas utile, parce que justement la gauche israélienne, l'effort de la mea, la gauche israélienne, l'effort de service d'intelligence. Donc, volonté que n'est-ce pas gagné pour faire une société humaniste, une société que tout le monde a même droit, tolérance, tout ça, etc. C'est pas comme ça, n'est-ce pas conservateur, n'est-ce pas l'extrême droite, ouais. Et c'est ça qui fait depuis plus que 2 ans que c'est l'armée Israël, que c'est le service de renseignement, il a alerté le premier ministre que le rapport qui était gagné entre l'État et l'armée, entre le pouvoir et l'armée, entre le service de renseignement et l'armée, l'écrasé parce que les nègres qui sont conservateurs, ils ont gardé les nègres avec mépris, ils ont gardé les nègres comme s'ils n'étaient pas utiles à la société. Parce que c'est un truc extrêmement important pour connaître. Auditeur, auditrice. Service secret israélien pénétré service secret égyptien, iranien,
irakien ou autre, etc. Nèg yo gen un volume de système de communication qui permet que copier ça mon abdi, yo tande ça mon abdi et yo nan bagay qui commence par les matin en Israël, c'est que c'est négligence nèg politique yo qui pas prend à cœur renseignement que service secret yo te ba yo. Parce que imaginez nous gen plus que 10 000 roquettes qui sont en Iran qui passaient frontière cal sous la bande de Gaza pour patagon nèg le service renseignement israélien qui est au courant de ça. Est-ce que vous imaginez que une opération qui a tellement bien monté comme ça, les gars achètent motocyclette, ils achètent des armes, ils installent des roquettes, ils font toute qualité de bagarre possible et imaginable, les gars ont des tunnels qui ont fouillé pour mettre des otages en bataille. Et puis pour pas gagner un petit soupçon de la part de l'armée, de la part du service secret israélien qui gagne partout sur la bande de Gaza, qui gagne partout sur le plateau du Golan en Cisjordanie. Non. C'est parce que vous avez négligence au niveau politique. Même si vous écrivez en Haïti côté que l'État méprise la population, n'est-ce pas tête partie conservateur qui fait alliance avec Netanyahou aujourd'hui, n'est-ce pas garder nèg ki en bas la mais nèg ki nan service de renseignement comme si les gars a baité une importance, les gars créer des bagailles, c'est pas ça créer la réalité question. Parce que nèg fin comprendre que l'État d'Israël li chita li assoit li politiquement fort militairement tout le monde peul, donc pas rien bagaille comme ça qui passer. Et le bagaille extrêmement important pour nous garder, c'est que de samedi jusqu'à matin, ce n'est que ce matin que le haut état-major israélien a reçu l'autorisation pour lier les 300 000 réservistes sur le drapeau. Ça dit, c'est la première fois dans l'histoire pays Israël. C'est vrai que qu'on fait guerre, c'est vrai que qu'on mais l'armée professionnelle que qu'on fait face, y'a qu'on peut-être l'on 10 ou 20 000 réservistes vivent dans la communication, la santé, la toute qualité pareil. Mais maintenant c'est 300 000 réservistes qui ont relé sous le drapeau. C'est-à-dire l'État d'Israël est en guerre parce qu'il considérait que représailles que Hamas a fait, c'est la guerre que le modèle. Hamas lui-même considérait que les deux pleins doigts, parce que son réponse à Israël par rapport à cynisme, par rapport à méchanceté, par rapport à tout ça, gouvernement Israël a fait la Palestine passer. Radio Omega. Mais il y a un bagage pour connaître. Ça pour connaître, c'est que Israël a commencé une bonne relation avec l'Arabie Saoudite. Israël a commencé une bonne relation avec l'Égypte, avec l'ensemble de pays arabes. Est-ce que le Sahel, qui c'est l'armée israélienne, l'entrée dans la bande de Gaza, elle a commencé à faire représailles pour joindre otage? Est-ce que le comportement pays arabe va continuer, même genre? Est-ce que vous pouvez accepter que l'armée israélienne marche sous la Cisjordanie, marche sous la Palestine, marche sous le Sinaï, sous le Golan, pour mettre l'ordre, pour fusiller les nègres, pour caser les gangs, pour tout le travail, etc. Est-ce que les nègres peuvent croiser les bras pour quitter la Palestine livrée à lui-même? Parce que je nèg yo dit là, et j'ai entendu le chef d'état-major de l'armée israélienne, monsieur dit très clairement, Hamas a ouvert la porte de l'enfer, nous allons montrer que l'enfer existe. Et où est-ce qu'il fait? La banque palestinienne qui te permet que Palestiniens de vouer l'argent à Hamas pour payer un fonctionnaire, pour faire toute qualité de l'argent, n'est-ce pas sauter la banque là, tant qu'on fait papier. N'est-ce pas craser tout de contrôle. Nèg yo kraze un paquet de bagay qui permet que Hamas la te kap réfléchi, te kap posé. Et là, je pense que c'est commencement problème nan lié là, parce que l'État d'Israël pas fait bac par rapport à politique de sécurité li. Et je pense que crise ça pour provoquer un vrai remous en la société israélienne. Côté que Netanyahou te chita allons à faire de changer
constitution changer et pouvoir judiciaire en fonction d'intérêt parler en fonction de petit groupe pendant que la société est malade, pendant que la société a perdu confiance la service de renseignement yo, la l'armée la ça fait force l'état d'Israël. Avant de finir d'aimer d'où que leur parler de peuple juif pas ouais peuple juif là tant qu'aucun autre peuple sur la terre. Parce que juif, pour les bagailles qui fait le juif, c'est religion. C'est-à-dire, c'est quoi c'est dans la Torah qui peut le faire appartenu à communauté de foi, ça, avant l'appartenu à un peuple, à un territoire. Donc, communauté juive noire en Éthiopie, que Israël a rapatrié la Cali. Ou t'as dit, qui rapport juif noir ça c'est en Éthiopie gagné avec russe juif russe qui sorti en Lettonie qui sorti dans toute zone ta qui rapport avec juif américain c'est la croyance en un Dieu unique c'est la croyance en la Torah c'est faire le sarrer les pentacultes les cinq livres de Moïse là élément fondamental de vie qui vous permettre que vous compreniez en bonne bagage. Donc, il y a un débat qui est extrêmement important pour qu'on ait auditeur, auditrice. Il faut suivre l'évolution crise parce que l'évolution crise a des conséquences sous pétrole de par le monde. Parce que quand moi, il y a un chaud, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est volume exportation pétrole dans le monde qui baisse. C'est crise qui est au niveau économique dans le monde, parce que des millions de dollars qui ont transité par Qatar, par Dubaï, par tout pays américain, etc., les prêts faire en sorte que le monde entier vienne une crise extraordinaire. En tout cas, c'est important. Et une belle partie sous Gessa, crise ça, Israël ou Palestine, que le professeur Dapidine nous comprenne. Et pétrole là, c'est vraiment un produit transversal, oui. C'est vraiment un produit transversal. Si il y a un impact sur le pétrole, nous sommes d'accord que un paquet de pays qui a frappé. Nous sommes d'accord que un paquet de pays qui a subi conséquences là. En tout cas, moi, c'est nous bien apprendre. L'opil bagay nous édifie, nous comprendre. Et l'entourner là,